Yo les crapoteurs, donc avant de commencer cette vidéo sur Resident Evil 7, à la fin de cette vidéo, je dis que je vais faire un deuxième épisode. Le deuxième épisode a été tourné, mais malheureusement il n'a pas été enregistré, car le truc de la démo n'a pas voulu que j'enregistre la deuxième partie. Et pour vous dire, je n'avais pas la force de recommencer la deuxième partie, car pour vous dire, j'ai vraiment flippé. J'ai eu beaucoup d'accélération de cœur, je me sortais plus d'attaque pour faire ce jeu là. Bon, en tout cas là ça va, c'est la partie la moins qui fait peur, donc tout le monde peut regarder, il n'y a pas de peur, rien. Ça fait flipper pour moi qui joue sur le moment car je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il n'y a rien. Le deuxième épisode était plus gore et j'en ai pas pu le mettre non plus pour les jeunes, j'aurais dû mettre au moins 18 ans, donc j'ai préféré ne pas mettre cette partie là. Donc j'espère que vous comprendrez, et vraiment pour ceux qui veulent un jeu d'horreur vraiment qui fait bien flipper et tout, je vous conseille complètement, c'est sûr. Mais ça fait un peu penser à Outlast. Mais là pour moi c'était trop. Je suis quelqu'un qui a très peur comme je vais le dire dans la vidéo, donc j'espère que vous comprendrez. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et n'hésitez pas à liker, partager et me soutenir dans les commentaires. Ciao. Yo les crapoteurs, c'est Crapote, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour, comment dire, un truc qui va bien me faire flipper, je le sens. Non mais on se retrouve pour la démo de Resident Evil 7 je pense. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai un peu d'appréhension. Je sais pas si ça se fera en une partie ou en deux parties, mais on verra ça. Je pense que c'est mieux. Là déjà on va tester, on va voir si j'y arrive. Ça fait déjà assez flipper déjà le début. Je fais ça en début de soirée, donc ouais, ça fait un peu flipper. Je peux pas dire le contraire, je l'ai testé un peu à Micromania. J'ai vraiment eu peur parce que je suis quelqu'un qui a très peur très facilement. Donc on va tester ça maintenant. Oula, par contre ça craint vraiment là. Oh finesse, j'ai peur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Oh finesse les gens. C'est vraiment pour vous parce que je sais qu'on n'a pas maquillé ma résidence Evil. Et là je me suis dit bon, il y a la démo. Même si j'achète pas le jeu, au moins que je refasse la démo. Et ça me fait flipper déjà. Ok. Donc je sais pas si c'est... Oui c'est parti. Resident Evil 7, voilà, c'est le Resident Evil 7. Donc on va voir, ça fait des... Je suis en mode flip parce que, comme vous pouvez le savoir, tout ce qui est... Là, c'est un peu un jeu d'horreur pour moi. Trouver un moyen de sortir d'ici. Oula. Ouais, et je vous jure les potos, je suis quelqu'un qui a peur vraiment. C'est pas... Il manque un fusible. Oh non, il faut trouver le fusible. Est-ce que je sors ou est-ce que je sors pas? J'ai peur les poteaux. Oh putain, je suis en mode stress, là c'est pas possible. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un fusible. Et alors je les écraserai contre un rocher. Oh my god, je flippe sa mère les gens, je flippe sa mère. Ok. Bon, on va sortir du détail. Allez, on sort pas les steaks, allez, on sort. C'est quoi là? D'accord, y a rien. Mon dieu. Je suis désolée, là, ça fait... Je suis grave en mode flip. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est un film d'horreur à la base. Je sais pas du tout, je me suis pas renseignée dessus. Oh my god. Je vous jure, je suis en mode stress là. Ça ne fonctionne pas. Je stresse les poteaux. Je suis désolée là. Je suis pas bien. Oh my god. Les poteaux, j'achèterai pas ce jeu. Je vous promets. Ok, il fait jour déjà. C'est déjà pas mal. On peut se battre ou on peut pas se battre? Putain, il y a des bruits. Arrêtez. Oh, je flippe sa mère. Je flippe. On a des thugs, nous. J'ai peur. Putain. Oh my god. J'avance les poteaux. J'avance. Mais là, je flippe grave.
J'ouvre ou pas? Je ferme mes yeux. Ah! C'est quoi ça? Oh my god! Mais il y a des poteaux. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Il faut une clé pour sortir. What? Oh les poteaux, je pense que je vais faire qu'un épisode en aide de Resident Evil, je suis désolée. C'est grave. Oh mais merde, mais putain, il l'a foutu où son machin là? Aïe. Il faut une clé, il faut une clé vite. Ah je suis quelqu'un qui panique vite. J'ai le cœur à 1000 à l'heure là pour vous dire, je flippe vraiment. Je flippe, mais vraiment. Putain, arrêtez, je tremble. Mais putain, elle est où cette clé? Non, mais dites pas qu'il faut que je recommence tout. Oh non. Putain. Là, là, là. Doigt. D'accord, y a pas des clés? Y a pas des clés? Pas des clés, non, les poteaux. Oh non, mais dis pas qu'il faut que j'aille là-bas. Pas des clés là, s'il vous plaît. Oh my god, j'ai cru voir quelqu'un. C'est quoi ça là-haut? C'est quoi? Oh putain. J'ai peur, joueur. Il y en a été là. Bah, il y en a été là. My god. Le fusible, mais j'ai pas de fusible. Y'a pas de fusible. Oh my god. Et j'en veux plus là, je suis vraiment pas bien. Pourtant, normalement, y'en a qui me disent qu'ils font pas peur et tout, mais là, je suis pas bien, je suis en tremblote et tout. Oh non. On y va ou on y va pas? Allez, on y va. Mais la maison, elle s'arrête jamais en fait. Je suis désolée, en fait. J'ai peur. Oh my god. Ah. C'est immonde. Putain, les poteaux, je stresse à mort, je stresse. Oh là 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 là. Mission de pistolet. Ah oh, putain, une fois un flingue. Il est où? Les poteaux, je suis pas bon. Est-ce que je continue ou pas? Là, y a quoi? Cahier vierge, ok. On referme. C'est quoi là-haut? Mission. What the fuck? Et en plus, il y a le gars de Micromania qui voulait que je l'achète ça. Mais non, non, non. Oh, les poteaux. Oh non, c'est pas possible. Non. Je suis bloquée, mais attendez, mais y'a rien. Les poteaux, y'a rien, je vous jure. Mais dites pas que c'est que ça la démo. Parce qu'il y a rien, on peut rien trouver là. J'ai fait toutes les pièces et tout. Mais pourquoi il y a eu du sang? Mais c'est. Ah là, peut-être. On dirait qu'il y a quelque chose. On dirait pas quelque chose, pote. Qui m'y a. Utiliser. Aïe. Ah. Bon les poteaux, je crois que c'est que ça la démo. Mais je peux vous dire que déjà, rien que ça, ça me fait déjà bien 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 flipper. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la maison. On a fait tout le tour. Il n'y a rien en fait. On peut pas vraiment jouer. C'est vraiment que la démo là. Pour bien se faire flipper. Mais il n'y a rien.
En fait, la démo ne fait pas peur. Au début, oui, elle fait peur parce que vous connaissez pas, mais en fait, j'ai pas regardé de démo avant. Mais en fin de compte, vous pouvez pas faire grand-chose. En fait, il n'y a pas de suspense et tout. Mais je pense que le jeu, pour ceux qui aiment bien les sensations fortes et tout, il peut être grave. Oh! Il y a une serrure. Il peut être grave, grave, grave flippant. Oh, il y a une serrure. Ok, il peut être grave flippant. Ah, oh, regardez-moi ça, il y a des... Y a... Ok, j'ai eu pipé, j'ai entendu des bruits chelous. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé un truc. Ok. Oh my god, les poteaux, je flippe là, je suis pas bien. Alors, maison abandonnée. Ok, donc ça c'est une cassette, je crois qu'il faut retourner à la pièce là-bas où il y a le truc. Oh mon dieu, une cassette, c'est le truc qu'il faut pas, c'est une cassette. Pourquoi j'ai voulu faire la démo de ce jeu? Pourquoi? Mais pourquoi? Putain, je suis pas bien les potos, je suis pas bien, je vous jure. Oh mon dieu. Mon dieu, les poteaux, je flippe sa mère. Je suis pas bien. Je suis pas bien, vraiment. J'ai froid et tout là. Oh my god. Ok. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis. Hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Ok. Oh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission, c'est quoi, hein? Punaise, ces poteaux. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Ouais, mais je pense pas que ce soit un autre trou paumé sans intérêt. En plus, c'est nous qui filmons en finesse. Pourquoi j'ai trouvé l'énigme? J'allais couper la vidéo, voilà. Bon, les potos, on se retrouve pour une deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu déjà la première partie. N'hésitez pas à péter les pouces bleus. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et tout. Et on se rejoint pour la deuxième partie. Ciao. Baby. Packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for a button.